L'été s'annonce hot au 96.9. C'est quoi? Avec plein de nouveaux amis à l'antenne. Des gens que vous adorez et que vous découvrirez également. Quant à moi, je passerai les après-midi avec vous et aussi le retour avec deux autres personnes que vous connaissez très bien et qu'on aime tellement, dont Martin Cloutier. L'été ensemble. Oui. Comment tu vois cet été-là? C'est quoi? Moi, je suis super content. Premièrement, j'adore faire de la radio. Je suis content d'être ici à C'est quoi? J'ai été ici dans le temps du show de Midi Morancy, oui. Donc j'étais collaborateur régulier. Vraiment content de revenir. Et j'aime ça faire de la radio parce que c'est un médium d'accompagnement. Le show du retour, on a une responsabilité sociale, c'est d'être heureux. Et c'est quand même le fun d'être heureux en musique avec des co-animateurs fantastiques. Tu seras là, Marie-Josée. Il va y avoir aussi une recrue, mais pas piquer des verres, Stéphane Bellavance. J'ai vraiment hâte de travailler avec lui. Puis en plus, c'est mon voix. Stéphane, comment t'entrevois ta première expérience à la radio? Première expérience à la radio pour moi, ça va être... j'entrevois ça avec énormément de bonheur pour commencer. C'est un rêve que j'avais depuis longtemps d'avoir... d'être derrière un micro, d'avoir des écouteurs sur la tête puis de parler à du monde pendant plusieurs heures. Et là, ça va se passer cet été pendant 10 semaines. Et le retour à la maison, en plus, je trouve que c'est une super belle case horaire. J'écoute moi-même régulièrement la radio à ce moment-là, puis je trouve que c'est un beau moment. Donc, j'ai vraiment hâte. Puis avec Martin Cloutier, un ami, un voisin, alors ça peut juste être c'est une bonne recette, ça va marcher. J'ai juste hâte de commencer, puis j'ai hâte de voir comment ça marche, puis la routine de tous les jours là-dessus, j'ai bien hâte d'embarquer. Voilà. Tammy, qu'est-ce qui t'attire de la radio? Et de la radio le matin, en plus. Tu vas te lever tôt, là. Ce qui m'attire, je vais le dire, c'est Martin Grenier. L'irrésistible Martin Grenier et son sex-appeal. Et aussi, l'idée de me lever dans la bonne humeur, la désinvolture et l'humour en bonne compagnie. Alors, je crois que ça fait le tour. Réal, un retour à la radio. Oui, tu t'ennuyais? C'est sûr que je m'ennuyais. Ça fait 5 ans quand même que j'ai pas fait de radio. Et là, qu'est-ce qui va se passer cet été? Écoute, on va faire notre possible pour faire le meilleur show du matin possible. J'ai hâte. Honnêtement, j'ai hâte. C'est la première fois que je vais animer aussi. Oui? Oui. Ouais, j'ai vu les autres faire, puis j'essaie de pas faire ce qu'ils faisaient. Des noms, va! Il y en a plein, Normand Brathwaite, Patrice Lécuyer, t'en veux-tu des gros noms, Gildard Roy, Christian Tétrault, André Ducharme, j'ai appris deux autres. Et là, ouais. Ça va être une coche au-dessus. J'imagine. Et avec qui tu vas collaborer? Avec lui, Ghislain, qui n'est pas là aujourd'hui. Un mot, Ghislain? Ghislain, écoute, ça va être extraordinaire. Ghislain qui est très chic à la radio, il va être habillé comme ça chaque matin, je ne sais pas si on peut le voir. Ouais. Toi, tu vas être en pidge ou aussi chic? Honnêtement, j'ai déjà animé en haute pidge à un moment donné. Le mais confort. Pas cet été. Non. Cet été, je vais être plus T-shirt. C'est un rendez-vous, on a Oui, mais ça, j'ai hâte, mais ça. Tu vas être là, toi? La Moi, météo? Je vais être là le soir. Météo? Ben, je peux t'appeler une fois par J'aimerais ça. Semaine. Okay. Réal, tu restes si loin? Tu restes loin? Non, j'habite pas très loin. Okay. Fait que Réal fait beau. C'est ça, tu pourrais nous dire vraiment que tu es là. Là oui. Parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans le studio, je pense. Il n'y a pas de fenêtre, hein? Non, il y a une caméra, par exemple. C'est ça, mais la caméra, des fois, elle passe des reprises pour qu'on soit plus de bonne humeur. Il passe des journées où il fait beau, même quand il pleut. Je vais être là pour la météo, donc. OK, parfait. Et Ghislain. Et Ghislain.